Le scandale concernant le décès du vice-recteur chargé des études de l'université Julius Nayerir de Cancan prend une nouvelle tournure. Pour rappel, Dr Fante Moussa a rendu l'âme dans la nuit du samedi 30 septembre au dimanche 1er octobre 2023, alors qu'il était en cours d'évacuation pour Bamako, après avoir subi une intervention chirurgicale à l'hôpital régional de Cancan. Depuis lors, des acteurs de la société civile ne cessent de monter au créneau et ils accusent l'administration hospitalière de Cancan, notamment le service de la chirurgie, d'avoir laissé le docteur Fante Moussa aux mains des médecins incompétents et sous-équipés pour son intervention chirurgicale. En réponse, le directeur de l'hôpital docteur régional Framba Kamara a rejeté en bloc ces accusations. Selon lui, le décès du vice-recteur s'explique par le fait qu'il ait piqué une crise d'allergie après qu'on lui ait administré de l'anesthésie. Saisi de cette affaire, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cancan vient pour sa part de faire une communication dans l'après-midi de ce mercredi 4 octobre 2023. Dans sa déclaration, le procureur Daouda Diomandé affirme avoir reçu une plainte du coordinateur régional de la société civile. Dès que la plainte est arrivée, nous l'avons immédiatement transmise à la brigade de recherche de Cancan pour des fins d'enquête. Et toujours suite à cette saisine, nous avons instruit aux officiers de police judiciaire d'ouvrir une enquête en flagrance pour situer les responsabilités et éclairer la religion des populations autour de la mort de ce monsieur. Poursuivant, le chef du parquet indique que la brigade de recherche doit entendre dans les jours suivants les parents de la victime, la société civile qui a porté plainte, et bien évidemment ceux qui sont mis en cause et suspectés dans cette affaire. Ma procédure est ouverte, s'il s'avère que c'est suite à une mauvaise intervention chirurgicale que le monsieur est mort, des poursuites seront immédiatement engagées contre les présumés auteurs. Pour terminer, il précise aussi qu'à partir des informations déjà regroupées, on était informé que c'est suite à une intervention chirurgicale qui se serait effectuée à l'hôpital régional de Cancan que le monsieur a trouvé la mort, plus précisément en cours de route, au moment où on cherchait à l'évacuer à Bamako. En pareil cas, nous allons chercher à savoir si l'opération s'est passée dans les conditions requises et des médecins habilités. A préciser qu'une autopsie de la dépouille du vice-recteur est exigée par les acteurs de la société civile qui projettent même d'aller faire un sit-in ce jeudi devant l'hôpital régional. Mais le HICKL a déjà été enterré il y a de cela 4 à 5 jours. Répondant à cette inquiétude, le procureur de Cancan assure que s'il le faut pour la bonne marche de l'enquête, et qu'il est question de faire une autopsie, alors nous donnerons l'ordre d'aller reprendre le corps, et nous la ferons.